Coucou à tous, donc nous sommes samedi et aujourd'hui pas grand chose au programme, juste je vais devoir emmener Inzo chez un copain puisqu'il va à l'anniversaire d'un copain. Et moi je vais emballer son petit cadeau, donc voilà. Inzo il a choisi ça l'autre jour aux courses avec son papa. En fait Inzo il a le même mais en, comment ça s'appelle, en mignon. Ouais exactement. Et ouais. Et il adore ce jeu. On met ça sur ce, dans ce trou. On tire sur cette ficelle là. Ouais. Et puis après, Spider-Man il vole. Ouais, voilà, exactement. Inzo il adore. Et Isaïe même souvent il le prend pour jouer avec. Même s'il n'arrive pas à tirer, il aime quand même beaucoup jouer avec. Donc je pense que ça va plaire à Nathan. Regardez. Ouais. Tout et tout. Hein, Inzo, ça va plaire à Nathan? Ouais. Je vais te dire un petit peu aussi. Je t'aide. Quand t'as besoin de scotch, tu dis scotch. Ouais, mais tu sais pas le couper, mon gars. Non, non. Attends, je sais le couper. Tu sais le couper? Alors, scotch, s'il te plaît. Ah, j'ai pas assez de. Avec le ciseau? Ben oui, parce que tu vas pas y arriver aussi. Ça va être chaud chaud. Chaud la rico. Non, recoupe, il colle pas là. Fais attention à pas te couper. Hein. Ils sont très grands les ciseaux, donc fais attention. Et... C'est gentil, hein. Ah ouais. Sinon, je peux faire comme ça. Bon, je suis pas experte en emballage, hein, le pauvre. J'ai fait avec le papier cadeau qui me restait. C'est un petit peu juste, mais tant pis, ça fera l'affaire. De toute façon, il finira à la poubelle, c'est pas trop grave. Bon, je vais essayer de faire un petit maquillage pour mes yeux. Vous savez, hier, j'ai reçu la palette de chez Sephora, la Mixology, que je trouve trop belle. Et je vais tester. Donc, hier soir, on était invités et j'ai testé ces couleurs-ci. C'était trop joli, j'aime beaucoup. Et là, j'ai bien envie de tester le hop, le pêche très clair ici. Le orangé pêche. On va essayer de faire ça tout de suite. Donc, ce qui est bien, c'est que vous avez le pinceau de compris dans la palette. Avec deux embouts différents. Je pense qu'il y a un estompeur et un creux de l'œil. Allez, on va faire ça. Bon, je vais faire au pif parce qu'en fait, il est 14h. 9 et Inzo a rendez-vous à 14h30 à son anniversaire, donc je vais me speeder un peu, sachant qu'Isaïe est à la sieste et qu'il faudrait que que je le réveille bientôt. Hein. Hop, j'applique celui-ci en base. Je trouve que la pigmentation est parfaite en fait. Je trouve que c'est bien assez pigmenté. Les couleurs tiennent très bien puisque le soir quand je suis rentrée, j'avais mis un irisé et je l'avais encore sur les paupières, ce qui est rare parce que des fois les fards pailletés ou les fards irisés ne tiennent pas en fait. Et celui-ci il a tenu toute la soirée, donc ça c'était plutôt un point positif. Donc en fait je mets la couleur la plus claire en base, hein, sur toute la paupière mobile. Ensuite je vais appliquer celui-ci en creux de paupière. Ils sont en poudreux, mais voilà, ils sont poudreux, il faut quand même souffler avant de les appliquer, je trouve, sur la paupière, mais après il n'y a pas de chute, hein. Hop, je balaye un petit peu et ensuite c'est parfait. Je vais juste continuer à me maquiller. Je vais mettre du crayon noir, une muqueuse interne de l'œil. Et je vais mettre mon mascara que j'ai reçu hier dans la box, dans la glossy box. En fait, la glossy box de ce mois-ci, du mois de juillet, elle se présente comme ça, sauf qu'ils avaient un contenu pour le mois d'août, un contenu du mois de juillet. Ils ont regroupé les deux box dans ce sac. Et dedans, il y avait donc ce mascara. Et pareil, je l'ai testé hier soir, de très jolis cils. Hop. Je
un petit gloss vraiment neutre que j'avais reçu aussi via Octoly, c'est de Nocibé. Je déteste les gloss normalement. Je n'ai pas chargé étant donné que nous sommes l'après-midi, donc je pense que ça fera largement l'affaire. En tout cas, j'aime beaucoup beaucoup la palette. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos et puis voilà, j'en suis très contente. Bon, nous sommes rentrés de l'anniversaire de Nathan, ça s'est très très bien passé. Tu t'es bien amusée? Oui. Oui. Sinon oui, je voulais revenir donc sur les vlogs de juin. J'ai pas vlogué hier, on était vendredi. Le vendredi j'ai jamais trop grand chose d'intéressant à filmer. En plus le soir on a bougé, on n'était pas chez nous. Donc voilà. Les vlogs de juin qui vont s'achever aujourd'hui, puisque voilà, le mois est terminé. Donc le défi est terminé. Je sais pas si vraiment il est bien relevé, parce qu'il y a quelques jours que j'ai zappé. Inzo. C'est très dur de filmer tous les jours, et en plus de ça, en plus ça tombe mal parce que c'est un mois un peu particulier dans le sens où on prépare un peu la saison, où on n'est pas là, on n'est pas disponible à 100%. Papa il n'était pas là pour pouvoir faire des sorties et tout ça, donc du coup on n'a pas fait de sortie. J'espère quand même que ça vous a plu, et puis si vous avez apprécié, je pense revloguer à partir de septembre. De toute façon il y aura forcément les vlogs en Corse. D'ailleurs en Corse on a trouvé une super petite maison sur la route de Palombagia avec une vue sur la mer à 180 degrés, et j'ai trop hâte d'y être, ça va être super. Il y a une résidence dans laquelle il y a la piscine et tout, enfin bref, ça va être super chouette. Qu'est-ce que tu fais? Attention, doucement les enfants. Donc évidemment on filmera tout ça, on vous emmènera avec nous en Corse. Sinon là les enfants, je leur ai fait le bain. Attention, c'est un cintre, tu vas te faire mal Isaïe, mais pas la bouche. On met pas la bouche Isaïe. Je sais pas si vous voyez là, c'est bon là. Ouais, là vous allez voir. Aïe, doucement. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, parce que je poste assez régulièrement. Et de toute façon je continue les wiki vlogs. Donc au moins voilà, il y aura des extraits toutes les semaines. Voilà. Et puis il y aura quand même comme d'habitude des vidéos sur ma chaîne, puisque vous allez retrouver prochainement les room tours des chambres des garçons. Qu'est-ce que j'ai prévu aussi comme vidéo? Il va y avoir un haul spécial maillot de bain, il va y avoir le haul solde des garçons, certainement aussi le room tour de ma coiffeuse, voilà. Il y aura toujours du contenu sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Et puis c'est tout. Et puis je mange des chouchous. Bon, en attendant, n'hésitez pas à nous encourager, n'hésitez pas à laisser vos petits commentaires, j'y réponds comme d'habitude tout le temps. Et... comme mes frères et dit, Inzo, arrête de faire tes commentaires. Pourquoi elle dit ça à la maîtresse? Oui, parce qu'il doit commenter, tu commentes toujours ce que tout le monde dit. Ouais. Voilà, voilà. Hein? Et puis sinon, n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous aimez. Si vous aimez pas, un petit pouce à l'envers, ce sera pas grave. Et wali walou. En attendant, non merci mon cas. En attendant, on vous fait des gros bisous. Et puis on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Mon blog. Ciao ciao. Tu dis au revoir Isaïe. Au revoir, à demain. Peut-être pas demain. Non, pas demain, parce que c'est la fin des vlogs.